grand-papa. Bonjour Yvon. Hein? Ben, bonjour Lisa. Je voulais que tu me parles de ta meilleure expérience de travail. Ma plus importante expérience en tant qu'acteur, c'est quand même à Gaspésie que j'ai vécu. Le gouvernement, dans les années 60, a décidé de fermer les petits villages en Gaspésie. On a écrit une pièce de théâtre pour amener les gens de ces petites communautés-là à se regrouper. Un village pour demain, pour moi, ça a été une expérience formidable parce que, à l'origine, on devait jouer une trentaine de fois dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. Puis finalement, on l'a joué 175 fois et partout au Québec, ce qui m'a permis de réaliser que dans chaque petit village, il y a des gens brillants, généreux, puis qui ont le goût que ça fonctionne. Puis la pire. J'ai eu une série à un moment donné à la télévision, La vie promise, que je me suis empressé d'appeler La vie compromise parce que je trouvais que c'était trop étiré, qu'on n'avait pas le plaisir en tant qu'acteur d'approfondir notre travail. À partir du moment où tu sais ton texte, puis tu te fous pas dans ta réplique, non. C'est beau, la scène est prête, t'es correct, tu sais. Je sais pas, ça me satisfait pas, moi, personnellement. Mais quand tu sais que c'est le métier que tu voulais faire? Dès ma tendre enfance, j'ai toujours eu le goût de monter des spectacles avec mes cousins dans la chaîne en arrière. On faisait payer une bouteille vide aux petits voisins. On faisait des acrobaties, on montait des sketchs. J'ai toujours eu le goût de faire ça. Mm-hmm. Je suis un clown naturel, je pense. Oui, je comprends. Ce qui te plaît le plus dans le fond du métier? Ce qui me plaît le plus dans le fond de ce métier-là, c'est l'occasion que ça nous donne de se connaître mieux, puis de connaître mieux les gens qui nous entourent aussi. Mmh. Puis, ce qui te plaît le moins dans le métier? C'est parce que ça fait vivre un paquet d'émissions de télé, d'entrevues, de sparages pour parler des choses au lieu des faire. Je préfère travailler le bois qu'aller ouvrir une porte dans une émission que je ne regarderais pas moi-même. Ça fait de sens. Ouais. C'est rarement les acteurs qui sont à déplorer dans ça. C'est le système, la façon dont les choses sont produites. Parce que les acteurs, justement, ils n'ont pas le temps d'approfondir. C'est ça. C'est ça. Comment c'était de travailler sur le plateau de Slapshot? Ça a été c'est un conte de fées, hein, c'est pour moi, Slapshot. T'es en Gaspésie, dans un petit village, tu reçois un téléphone le matin, ça vous tente-tu de faire un film avec Paul Newman? Oui. J'ai dit oui. Oui. Avait déjà auditionné près de 500 personnes. Mais eux autres, ils avaient en tête un personnage. La définition dans le scénario, c'était « A short, squat, French-Canadian, to portrait Denis Lemieux ». Fait que là, Mike Fenton m'a amené dans une brasserie, puis on s'est assis. Il dit « Well, the movie starts on you ». Puis là, il m'a tout raconté l'histoire du film. Là, j'ai appris que c'était un film de hockey, que c'était un rôle de gardien de but, tout ça. J'étais excité, là. J'avais pas faim, j'ai rien mangé, j'ai pris ma bière. On est remonté à sa chambre. J'ai lu le scénario d'un couvert à l'autre. À la première lecture, le film commence sur moi, la lecture commençait sur moi. C'est mon personnage qui est là en partant. On a fait la première scène, puis ça s'est mis à applaudir autour de la table. Là. J'ai dit, étonné quand même, j'avais jamais vu ça à une lecture. Mais ça voulait juste dire pour moi que, bon, ben, le personnage, il y avait la matière première, en tout cas. Il y avait des choses sûrement ajustées. Québécois. Il était là, tu sais. Le scénario était écrit par une fille. C'est assez étonnant, Slapshot. Oui. C'était pas pour promouvoir la violence, c'était au contraire pour la ridiculiser, tu sais, à un point où les gens arrêteraient de le faire. Sauf qu'elle a manqué un petit peu son, son but n'a pas été atteint. Les gens ont pris ça au premier degré et c'est regrettable un peu, là, mais ça n'a pas aidé. Ça n'a pas aidé la violence. Dans la violence au hockey. Non. Les gens n'ont pas compris que c'était des palettes en caoutchouc, c'était pas des vrais hockey. Puis ils ont fait des traductions amusantes du film dans toutes les langues, ce qui fait que ça. Je pense que c'est un film qui a amené des gens au hockey qui s'y intéressaient pas avant, juste par l'humour. Ben, par expérience. Ouais. Comme moi, j'aime pas le hockey, mais le film, je l'ai trouvé pistolet. C'est rigolé, c'est beau. Puis c'est encore comique, tu sais. Ben, ça a été pour moi complètement tranquille pendant 20 ans. Tu sais, les gens me disaient, bon, ben, vous avez joué Denis Lemieux dans Slapshot. Je disais, oui, mais c'est tout. Tu sais, ça arrêtait là. Je n'avais pas signé de photo, je n'avais pas réalisé que c'était devenu un film culte. À partir de là, j'ai recommencé à faire 3 ou 4 fois par année des sorties toujours pour des levées de fonds. Les dernières que j'ai faites, c'était à Hershey il y a quelques mois, puis c'était pour le cancer du sein. En Allemagne,
C'est pour faire la promotion d'un organisme qui veut mettre fin aux commotions cérébrales au hockey, amener les gens à jouer plus prudemment. La deuxième vie de Slapshot est totalement différente et très amusante. Si tu avais le choix, ce que tu préfères, le théâtre, le cinéma, la télévision? J'adore faire du cinéma, mais pour un acteur, c'est la scène. C'est la scène. C'est le contact avec le public. C'est... Les réactions. C'est ça. Est-ce que c'était dur de percer en Gaspésie? J'ai pas eu à percer en Gaspésie. Percer, c'est compliqué. Percer dans ce métier-là, c'est pas facile. Il y a beaucoup d'écoles de théâtre, il y a beaucoup de gens qui sortent. Puis si tu ouvres la télé et tu regardes des séries, c'est à peu près toujours le même monde que tu vois. T'sais. Mais c'est. Je pense que la façon pour des jeunes acteurs là, de commencer ce métier-là, là, c'est de former une troupe, de travailler avec quelqu'un qui les amène à être meilleurs. C'est quelqu'un de professionnel qui va les diriger, puis de faire leurs propres choses. Puis c'est important pour un acteur aussi de chanter, de danser. C'est ça. Pourrais-tu nous faire un petit extrait là de danse, s'il te plaît? Une anecdote de tournage du film Slapshot. C'est obligé de choisir parce que c'est un film classé R. Tu sais, ça fait que... Cette scène-là où je fais une espèce de crise d'épilepsie, j'ai. Quand tu joues une partie de hockey, tu t'habilles une heure avant la game puis tu te déshabilles après, ça fait que t'es jamais beaucoup plus que 4 heures habillé de même. Mais quand on est sur un tournage de film, à 7 heures le matin, t'es ton maquillage, à 8 heures, t'as ton équipement de hockey sur le dos, puis on finit à 6h30 le soir. Okay? Cette scène-là, je devais la tourner, évidemment, dans le locker room, mais il y avait d'autres petites scènes à tourner aussi. Ça fait que toute la journée, j'ai attendu, assis dans une chaise, là, les chaises de cinéma, là. En avant de la porte de la chambre des joueurs, habillé en goaler. Quand est arrivé le temps de tourner la scène, moi j'avais du texte d'appris, j'avais des répliques normalement à dire. Puis là, OK, Yvonne, we're ready for you, OK, je rentre. Puis là, George Royer lui dit, forget about the lines, oublie complètement le texte, fais-moi une crise d'épilepsie. Mais après avoir attendu quasiment 8 heures à bien de même, là, on va te dire que ça n'a pas été difficile. Ça, c'était une anecdote le fun. Mais à part ça, c'était surtout une belle gang. Puis on se rend compte que le film nous a réunis pour toujours. Contrairement à d'autres tournages où tu as fini, tu revois le gars. Ah oui, quand je t'ai vu, on se perd de vue. Mais Slapshot, on est comme une gang de frères, là. C'est pour le restant de nos jours. Il y a Larry Block qui est décédé, l'arbitre qui, à un moment donné, est décédé il y a une couple de semaines. On s'est vu à Los Angeles la dernière fois, printemps passé. Louise Arthur, celle qui fait de la sclérose en plaques, est décédée il y a à peu près un mois. Newman est décédé, George Royal, je commence à être. Je commence à être à la ligne, mais je vais être. Ça y est, tu as fait encore un bout. Merci, c'est gentil. C'est cool. Non, mais on se rend compte, tu sais, quand même, le film, c'était en 76, ça fait longtemps. Il est sorti en 77. Ouais, c'est ça. Sinon, des trucs pour ceux qui veulent commencer dans le métier. Pour un jeune acteur, c'est faire ses premières expériences le plus rapidement possible sur scène. D'essayer de travailler avec des gens qu'ils aiment. C'est important de travailler avec quelqu'un qui t'a ému, qui t'a amené à quelque part, qui t'a fait aimer ça. Dans vie, est-ce que t'aimes ça le hockey? Oh, je suis un fan de hockey, c'est sûr. Oui, okay. Oui. L'aspect premier du film qui t'a intéressé, là, c'était dans le scénario, c'est quoi? C'était quoi qui t'a... Bon, je trouvais que j'avais un personnage fantastique à jouer. Je veux dire que c'est moi qui pars le film. C'est un privilège. Là. Okay. C'est parce que c'est là-dessus qu'on... Ça donne le ton au film. Donc, merci beaucoup. Grand papa, Yvon, Denis. C'est plaisir. Ouais, je suis contente. Donc, c'est ça. Puis, tu pourrais-tu nous dire un beau full love? Full love!